Ok, il nous l'amène. Se casser chez un autre. Il a déménagé en face. Hein. Là. Ok. Bon, il a lâché. Il a faim. Je crois qu'il va retourner sur nous. Dans la maison. Hein. Je crois que je l'ai attiré moi en, en essayant d'aider mon pote. Ah, on se dépêcher. Je me sais chaud. Ouh. Elle va dans la maison, elle monte. Merci pour l'info. Ouais. Je m'en vais. Parfait. Oh genre. Ouh. Jean-Michel. Oh j'ai vu. Oh c'est impressionnant, c'est impressionnant. Ouh. Ah bah bravo. Ah mais ça va, c'est sûr. Ah bah vous avez déjà quand même deux gènes de bien commencer, j'ai l'impression, c'est vrai, c'est déjà de mettre maison. Bon c'est rentable. Le début était un peu difficile mais rentable à moins qu'il y ait un crochet flégateur de ses mains. Non non ça place le crochet flégateur, je pense qu'il y a personne qui l'aura. Ah si peut-être. Ah bah oui. C'est dommage parce que je pense qu'elle était à 98% là. Ouais je pense aussi. Du coup tu remontes, évidemment. Donc okay. Elle va passer. Attends, je vais attendre de voir où est-ce qu'elle bouge. Maison, ça court dans la maison. Ah, parce que si elle vient vers toi. Elle passe devant moi. Elle passe devant moi. Elle traverse la maison, elle rentre dans la maison. Voilà. Bah ouais. Pour le coup, tu. Voilà, elle est sur personne là, elle rôde un peu. Profite de ta perque. Hein, Ouais, non, c'est ce qu'il faut. Hein. Moi, je suis bien sur le crochet, t'as eu. Hein, Et lui fait un moteur, c'est pas rentable pour elle là, ce qui se passe. Hein. C'est pas du tout rentable ce qui se passe. Donc là, elle est encore à ma droite en train de viser Hachette de ouf là, donc ça ne fait rien. Sauf que Zarina, il faudrait qu'elle loupe de l'autre côté. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est juste complètement idiot là ce qu'elle fait, ouais. C'est ça le problème. Parce que là, ça tombe devant moi en fait, c'est complètement ouais, dès con, qu'elle rentre dans la maison. Voilà, il faut y aller là. Faut y... Ah, attends, ouais, vas-y. Ah non. Bon allez vas-y là c'est bon parce que... Ah merde le corbeau putain. Il y a le corbeau sur moi. J'avais pas calculé. Bon de toute façon ça a fait du bruit dans tous les cas vu que tu m'as décroché. Comment vous faites pour gagner une galère correctement à part m'aveugler moi-même, je n'arrive pas à grand chose, j'ai pas du tout le bon timing. Non, je vais essayer de la récupérer. Oh merde. Oh. Ah, elle a plus de. En gros, Bornita, la grenade, faut que tu la poses au pied du tueur. Oh quand... quand il est en train de ramasser. Et après, tu te casses quoi. C'est quand il ramasse quelqu'un en save. Hein. Sinon, tu la poses. Je l'emmène à le poser. Ou va pas aimer là. Sinon, tu la poses sur une chaise derrière une palette ou un truc comme ça, tu vois. Bien, Sazarina. Après, faut éviter de regarder ta flash quand tu l'as posée. Ça va? Oui, je t'ai réconforté, t'as aimé? Ouais, c'était super. Ouh! Ça fait plaisir. Voilà, le tueur, il se prend la foudre un peu quand même, un peu trop. Ouais, mais c'est bien que ça se passe dans ce sens-là aussi. Oui, aussi, ouais. De temps en temps, ça fait pas de mal, quoi. Allez, ponçage. Oh bah super. Wow. Oh. Pousse-toi. Oh. Parce qu'il y a moyen, mec, il y a moyen.
Mais ouais. Ah mais je vais me prendre une... Attends, fais gaffe, attends. Elle recharge et moi je suis dans la ligne de mire là, attends. Tu es à moi, C'est toi qui es à moi ou... Non. Ouais. Mais putain. Pintade. Ouais mais moi aussi elle fait des fois des touches mais genre c'est trop bizarre. Bon bah écoute comme d'hab hein, si jamais vous me cherchez après je suis dans les toilettes au fond à gauche. Et tu te barres. Mais comment l'autre a fait là? Je vois les papouilles, hein. Trop proche là, c'est fou. Ah, bah elle a complètement chili. Hein. Elle a chili à 2 milliards de pourcents. Mais casse-toi, Enfin. Bah casse-toi, toi, fais, monte ta cuisse toi. Ouais, c'est bon, c'est fait. Non. Oh, mais c'est pas vrai ça. Bah ouais. Je fais ce que je peux. Elle va me M1. Ah. Bien sûr. J'ai été coincé par un pneu, mec. Tu crois ça? Pneu bloc. C'est vraiment le pneu de l'humiliation, quoi. Bon, je suis en P1, j'espère que l'autre doit faire un moteur, tranquille. Ah, bah l'autre doit faire. Alors attends, parce que la chili, donc elle va venir ici. Elle doit recharger des HL, j'imagine. Ok, je vais passer derrière. J'arrive! Ouais, le camp, elle reste quand même pas loin, tout ça. Ah, parce qu'elle a vu avec Chili qu'il y avait du monde à côté, donc forcément elle cherche. Ouais, c'est pas con. Ah, voilà, elle est sur l'autre. Voilà. Elle est, t'es juste à côté du crochet, elle avait du monde. Fais pas ça. Non, on s'en fout. On rush ça parce que ça va pas être possible. Ouf. Coquille, tu la poses. Faut que je m'accroupisse carrément, mais non, tu la poses, tu la... Oh putain. Je me suis déçu de moi-même. J'espère qu'elle va aller vers Zarina, parce que là... Non mais... Je crois qu'elle va vers Zarina. Je te laisse terminer. Oh, non, mais non. Bah non. Bah l'autre, il faut que j'aille décrocher. Ouais, on va y aller, on va y aller. Ouais, sur Zarina. On se reset tout. Bah ouais. C'est que tu vois là, hop. Au moins, lui, il crève pas. Ouais. 25% d'effectifs en vrai. Puis elle, elle est que en P1 quoi, en vrai ça va. Ouais. Elle recharge, mais à mon avis. Okay, let's go. Qu'elle va tellement nous gauler, tu sais. Chili et. Je vais aller sur son moteur à elle en fait. Ok. Ouais, allez libérer. Allez libérer, bah j'y vais surtout. Ouais, parce qu'elle. Elle va vers le moteur qu'elle faisait. Elle m'a tellement vu, mon gars. Ok, je vais soigner Zarinou, quoi. Ouais. Ok. La musique de chase quand tu fais poursuivre par la chaise, c'est trop amazing. Ouais, bah ils ont bien amélioré les musiques de chase. Hein. Ouais. Elle m'a lâché, hein. Juste pour dire.
Ouais, je fais le gène dans la cabine tueur, du coup j'ai repris, il est redescendu à 30%. Ouais, je vois. Il est sur vous, hein? Il est pas sur moi, non. Ah, il doit être sur Zarina, peut-être. Oh, il est sur moi, oui! Oh la vache, je me suis pris une transversale, là. Ça fait bizarre. Ok, je vais venir le remplacer. Pendant que... Parce que... Zarina, elle fait le moteur. Ouh. J'ai esquivé 3 hachettes là. Quatre hachettes. Oh bah. J'ai pris le hit, t'inquiète. Ah, j'ai vu. T'as intercepté. Faut que tu vives. Je vais essayer de... d'attirer ailleurs. Le temps que Zarina finisse le moteur. Non. Okay. Ah, c'est bon, je suis en P2 moi, c'est bon, c'est okay. Puis j'ai réconfort, je vais pouvoir me réconforter. Vas-y, réconforte-toi. Comme ça, elle va pouvoir finir son moteur, Zarina, si elle fait pas n'importe quoi. Elle a rien aussi, ok. Vas-y, relâche pas. Yes. Ok. Là, je me dépêche avant que tu rechanges d'avis qu'ils viennent te camper. Hein. Ok. Let's go. Oh, je suis tellement pas... Je suis perdu, là. Viens, on va se mettre là. Viens, on va poser l'affaire là-bas. Et là-bas, on sait que là-bas... Oh, regarde, mais il y a un mec dans le club. Ouais, il y a un mec cave, là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est que Star? Viens. Attends. Ok. Elle vient nous aider au moins, fais quelque chose. Oh là là, bah vas-y, va ouvrir la porte. Fais ça. Alright, c'est bon. Bon, allez, où? Elle est trop loin, elle est condamnée là. Ah, bah elle est pas encore blessée, donc du coup je me dis, il y a peut-être moyen que. Ah, la pauvre, on l'oubliera jamais. Allez, à droite. La chasseuse peut être très agressive, donc faut faire attention parce qu'on peut se faire avoir. Hein. Je pense qu'il faut pas trop s'éloigner de la porte non plus. Allez. Parfait. Allez. À la queue. Allez, je vous couvre tous. Allez, voilà, je vous ai tous protégés. Ouais, c'est ça, ouais. Regarde la caméra. Abonne-toi.